Alors j'en suis fou. Je peux pas te laisser dire ça. Vous savez de quoi je parle? 11 centimes d'euros le pain au chocolat. Mais tu es copé du monde ou quoi? C'est pas possible. J'étais obligé de m'occuper de toi. Je voulais pas te... Mais je suis obligé. 11 euros le pain, 11 centimes d'euros le pain au chocolat. Mais si tu as 2 euros, achète-toi une boulangerie. En plus, je comprends pas. Moi, je croyais que tu t'y connaissais en viennoiserie. Tu as une coiffure, on dirait une galette des rois. Quand je vois ta tête, j'ai envie de croquer dedans pour voir si je trouve la fève. C'est pas possible. 11 centimes d'euros le pain au chocolat. Il est payé 15 000 euros par mois. Mais alors, le SDF en bas de ma rue qui a 3 euros par jour, mais c'est le prince Ali à Babois, alors. Je vais demander qu'il me ramène un tapis volant. Mais t'imagines, si le monde avait des prix pareils, tu rentres chez toi, chérie, j'avais 4 euros, je t'ai pris 2 paires de Louboutin. C'est le kiff international. Mais dans ton monde, à toi, la Lamborghini, en fait, tu le payes le prix de la même en majorette. Tu as 2 tickets resto, tu t'achètes la Thaïlande. Mais tu es aussi décalé que les dents Vanessa Paradis, c'est ça, je comprends pas. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui, je ne connais pas le prix des pains au chocolat parce que je fais énormément de sport. Toi, tu fais du sport? Mais si toi, tu fais du sport, mais Vincent McDoum, c'était Teddy Riner. Oui, en fait, tu en fais un de sport. Un sport, il en fait un. Le sport, c'est l'enfilade. Il nous monte comme ça, hop, il fait le jockey, puis nous, on fait le cheval. À ça, on s'en prend plein le cul. Alors, je sais pas dans quel monde tu vis. C'est quoi pour toi? Un loyer, par exemple. C'est 50 euros? Mais 50 euros, tu as même pas un appartement Lego avec une salle de bain Playmobil. C'est ça que tu comprends pas. Alors, à 20 500 balles par mois, on est tous des peufs d'Adi dans ton monde. Mais tu me le dis. Je vais acheter un Malabar avec la monnaie, je pars à Las Vegas. Je dis le 2 euros de shit, ça y est, je suis Pablo Escobar. Au prix d'un macroude, dans ton monde, on peut acheter le Maghreb. Mais tu imagines les mecs qui kidnappent des gens? Oui. Alors, on demande une rançon. On veut 2,50€. Oh non, pas ça, vous savez très bien qu'on ne pourra jamais les avoir, c'est beaucoup trop. C'est ça, c'est ton monde. Alors c'est incroyable. Je veux dire, le mec dans ton monde, il a moins 5€, mais il finit en prison, il est interdit bancaire, il est surendetté. C'est pas possible. Tu viens à l'étranger. C'est pas Jean-François Copé, c'est Jean-François Copé-Cabana. Mais ce qui me fait pas rire, en fait, c'est que ce que tu comprends pas, c'est que pendant que là, on est en train de rigoler, parce que ça me rend fou. J'ai envie de te couper la tête. Il y a des gens pendant ce temps-là, ils sont tellement en galère, ils se servent du désodorisant pour les chiottes pour s'en mettre sous les bras. Ils se font un repas à la vapeur, mais il n'y a que de la vapeur, il n'y a pas de repas. Tu vois le truc? Les enfants, ils veulent aller en vacances à la plage, ils vont en vacances dans le lavabo. La mère, elle touille, elle fait des vagues. Hop, brise de Nice. Et ça, pendant ce temps, toi, tu nous sors 11 centimes d'euros le pain au chocolat. Moi, ça me rend fou. J'ai envie de te transformer en pain au chocolat. Je te jure, c'est incroyable. Alors tu sais quoi, Jean-François Copé, ça va être violent, j'avais prévenu, j'avais dit à côté de cette vidéo, les derniers épisodes de Walking Dead, ça va être un tuto boucherie sur YouTube. Tu vois celle-là, là, celle-là, tu vois, comme ça, j'ai envie comme ça, bam, de te la mettre, mais gratuit. Juste parce que c'est totalement indécent en fait, c'est même pas drôle. Il y a des gens qui crèvent de faim, qui payent 15 000 balles par mois pour dire des conneries pareilles. Mais c'est absolument incroyable, c'est incroyable, je comprends pas. Je comprends pas. Alors moi, ce que j'aimerais bien, tu vois, c'est que, en fait, si vous avez des prix qui vous choquent, vous l'envoyez en commentaire. Comme ça, on l'envoie à l'Assemblée. Je veux que cette vidéo ne soit pas partagée des millions de fois, mais des milliards de fois. Je vais la traduire en hongkongais s'il faut. Mais tous les hommes politiques, je vais tous vous ridiculiser. Tous les uns après les autres. Parce que j'en peux plus de voir des gens qui souffrent et tout le monde n'en a rien à foutre. Et vous vivez dans un monde où on paye des pains au chocolat à 11 centimes d'euros. Oh, un café, 1 centime. C'est pas cher. Donc, la team, notez tous en commentaire un prix qui vous choque, un truc du quotidien. Et on va aller, et la vidéo, vous la partagez même à l'écureuil au coin de l'arbre. Vous la partagez partout, la vidéo. Parce que je vous dis un truc. Tu sais, Jean-François Copé, j'ai l'impression que le seul point commun qu'il y a entre nous et les pains au chocolat, c'est que nous aussi, on se fait fourrer comme le pain se fait fourrer par le chocolat. Et ça, ça me rend dingue. Allez, salut!